皆さん、お元気ですか？やすかです。さあ、今日も日本語ができますかで一緒に勉強しましょう。早速、ひらがなの練習を始めましょう。今日はひらがな、てを練習しますが、その前に前回の復習です。前回は、つでしたね。つは、月、ルヌなどの頭につく文字です。月はご存知のように私たちの地球を回る衛星です。太陽系はこの他に太陽に近い順に水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星と続きます。これらが太陽の周りをぐるぐるぐるぐる回っています。日本語ではフランス語同様、曜日を表す単語はこの太陽系の天体から来ています。あと月からも来ていますね。月という漢字の別の読み方を使った月曜日、火星から火曜日、水星から水曜日、木星から木曜日、金星から金曜日、土星から土曜日、そして太陽にちなんで日曜日です。月にまつわる物語は日本最古と言われる竹取物語が有名です。竹取を生業とする翁がある日、山で光る竹を見つけて切ってみると、中から赤ちゃんが出てきました。翁に育てられた赤ちゃんは美しい娘かぐや姫に成長します。この世のものとは思えぬほどの美女。かぐや姫の噂を聞きつけた金立ちの求婚は後を絶たず、とうとう帝までも求婚しますが、かぐや姫はそのすべてを断ります。地上の人ではなかったかぐや姫は十五夜の夜、月からの使者とともに故郷の月に帰ってしまいます。この竹取物語は1987年市川崑監督によって映画化されました。こちらはかぐや姫は宇宙人だったという設定で、巨大な竜や、巨大な宇宙船なども登場する特撮映画となっています。ところで、月には何が住んでいると言われているでしょうか？日本では古来よりウサギが住んでいると言われています。ぴょん。それでは今日の一文字ての練習を始めましょう。手はとっても簡単。一本の線で書くことができます。左から右への横線、続いて左側に湾曲した縦線です。一緒にやってみましょう。横線、左に湾曲です。簡単すぎましたか？手、マン、徹夜、ラニュイブランシュ、天使、アンジュ、手紙、アンクリエ、鉄道、シュマンドフェア、手触り、ルトゥシェ。来週はとを練習します。今日はナタリーとシゲルと一緒に文法や表現のおさらいをしましょう。それではごきげんよう。Passons maintenant à la révision des expressions vues avec Shigeru et Nathalie ces trois dernières semaines. Vous avez appris à demander quelque chose avec Kudasai. Ça s'est bien passé? Vous retrouverez Shigeru et Nathalie dans deux semaines pour apprendre de nouvelles expressions.
plus loin dans Nihongo ga dekimasu ka avec la chanson Selfish Love de Miyavi, dans laquelle il réclame de l'amour parce qu'il en a besoin, là, tout de suite, maintenant. J'ai choisi ce titre pour vous parler de l'expression Betsuni que l'on entend dans ce passage. Tout d'abord, regardons comment s'écrit Betsuni. Betsu est la lecture chinoise pour le kanji du verbe wakarelu qui signifie quitter, se séparer d'eux. Par exemple, kaleto wakareta, j'ai rompu avec mon mec. Betsu, tout seul, peut se comporter comme un nom adjectival avec un sens dérivé du verbe wakarelu. Il signifie alors autre, différent, comme dans Mata Betsu no toki ni kite kudasai. Venez un autre moment, s'il vous plaît. Avec la particule ni, le nom adjectival Betsu se transforme en adverbe. Betsuni a alors deux sens différents selon que la phrase est affirmative ou négative. Tout d'abord, dans le cas d'une phrase affirmative, Betsuni signifie séparément, comme par exemple Sosuo Betsuni kudasai. Mettez la sauce à part, s'il vous plaît. Avec ce sens, il existe une expression très utilisée lorsque l'on veut payer séparément un repas. Betsu Betsuni onegai shimasu. Voilà pour le sens de Betsuni dans une phrase affirmative. Dans une phrase négative, comme c'est le cas dans notre chanson, Betsuni signifie particulièrement et même rien de particulier. Par exemple, Betsuni sukijanai yo. Je ne l'aime pas particulièrement. Betsuni permet ainsi d'exprimer son détachement face à une situation ou à un choix. Il permet également de couper court à une discussion. Si on vous demande « Doshitano ?» Qu'est-ce qu'il y a ? Vous pouvez répondre « Betsuni ?» Rien du tout. Voyons le sens précis de Betsuni dans notre chanson. Miyavi utilise Betsuni pour exprimer son détachement face à son interlocutrice et lui dire qu'il n'a pas besoin d'elle pour l'éternité, mais juste pour cette nuit, c'est suffisant. Vous comprenez maintenant pourquoi le titre de la chanson est Egoistic Love. Sale gosse, va. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mata laishu.